Bah alors je t'explique pas, ce matin c'était vraiment le réveil en panique parce que... On va pêcher quoi. Mais what cool life jackets? Yeah, how many of those have you got? Enough for everyone? Both questions. And jump on. When we say go, climb in. You climb in. If you don't climb in, you get left behind. Okay. Okay? Can I jump on this? No, no. Okay. No. I'll tell you, it happens real slowly. It happens slowly. Get it started. Then I can push it on. Right. T'as un petit écran qui te montre s'il y a du poisson ou pas. Do you know how to read this? And put that down. And this will go free, see? Yeah. So that's break off. Yeah. That will drop down. Yeah. And then when you're on the bottom, always fish on the bottom. And then you put it like that, it will be like that. Okay. And you hold your line so that it is tight. Yeah. But on the bottom. Okay. Because the fish are on the bottom. Yeah. Okay. And when you wind up, when you've got a fish on and wind up, you wind up, wind up. Don't wind right to the top. Wind to there. Go like this. And then lift your fish over. Bon, Léa a chopé un poisson là. Put the fish on the ground like this. You, yeah, pull it hard apart and. Yeah, there you go. Okay. Yeah. Must be, yeah. It's like, voilà ce que j'ai attrapé. Enfin, le reste de ce que j'ai attrapé. It's like, allez, continue, Chatter, c'est bien. Il est là. Vas-y. High five. Nice. Did you get that on film? Yeah. Pas beaucoup, mais il se passe beaucoup de choses et c'est un truc de ouf. Enfin, genre là, toutes les deux minutes, on attrape un truc, c'est vraiment un truc de malade. Genre là, on a deux cannes qui sont à l'arrière et on avance. Et le fait que l'appât soit tiré avec nous, ça les attire et c'est un truc de ouf. She got one. Voilà, bon, le job aujourd'hui, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas pour les mauviettes, hein. Franchement. Pff. En fait, en ce moment, on est en train de couper tous les arbres, tu sais, du zoo là, comme ça. Bah avant tu vois, là on voyait pas la maison donc il y avait plein d'arbres devant et à chaque fois moi je remplis, bah je sais pas si tu la vois là, mais en gros il y a une espèce de caravane et il faut que je la remplisse tu vois, et des fois les branches elles sont trop grosses donc il faut que je coupe les branches, attends je vais te montrer tu vois. Ça je peux pas le transporter comme ça sur la caravane, enfin la caravane, comment on appelle ça? Une remorque. Du coup il faut que je le coupe. Donc, tu prends ça là comme ça. Bon, et encore ça, ça va, parce que ça, tu vois, c'est pas trop trop épais, t'as ça, quoi. Mais des fois, je suis obligé de couper des troncs qui sont larges comme ça, alors laisse tomber, c'est des baobabs, le truc. Alors ça, c'est le meilleur outil du monde. Tu sais, c'est ce qu'ils utilisent, les hippies, pour faire de la slack. Enfin, les hippies, tu me diras, moi, j'ai bien envie d'essayer aussi, mais c'est génial, parce que... Enfin, c'est super, ça te facilite tellement le taf, je vais te montrer. Tu vois, donc ça, hop, tu l'accroches comme ça. Après ça, tu le balances de l'autre côté. Merde. Wow.
Et alors là, c'est la partie cruciale parce que ce truc là, c'est génial à utiliser, mais il faut savoir comment l'utiliser. Moi, ça m'est arrivé plein de fois de me chier. En fait, il faut que la corde qui arrive là, tu sais, celle qui fait le tour du truc, déjà il faut qu'elle soit bien plate, qu'elle tourne pas, tu vois. Attends, il y a un truc qui me gratte le dos là. Hop, donc là, bien plate. Je vais te montrer comme ça à vide et ensuite je le ferai. En fait, j'ai dit de la merde, c'est complètement dans l'autre sens, tu vois, comme quoi je maîtrise pas du tout le bordel. Il faut que ça passe de l'extérieur à l'intérieur. Donc il faut que ça passe d'abord par l'extérieur, donc au côté opposé de l'angle, vers l'intérieur de l'angle, comme ça, tu vois. C'est n'importe quoi, parce que si tu fais comme je t'ai dit tout à l'heure, là, ça sort par le mauvais côté, en fait, donc je t'ai dit de la merde. Donc là, tu vois, la corde est bien plate et je fais passer de l'extérieur à l'intérieur. Hop. Voilà. Tu fais quoi? Les deux petites chèvres là, c'est mes préférées, celles-là là. Bah. Un truc trop craquant, c'est leur queue quand tu les caresses, regarde. Salut mes petits lambis. Dum dum. Bah. Je sens que je vais chialer quand je vais partir d'ici, hein. Bah. Agis. Là, il y a le dur à cuire, c'est le plus dur, le plus badass de tout le zoo. Il y a un truc qu'il faut que je te raconte quand même, parce que moi, je suis tombé de haut là, il y a pas longtemps. Tu sais que les autruches, c'est déjà le fait que ça met la tête dans la terre là, et que c'est peureux, que c'est les trucs les plus chochottes du monde, c'est absolument faux. Et ce bordel, c'est le truc le plus dangereux de tout le zoo. Genre, ce machin là, c'est hyper territorial, genre tu peux pas t'approcher. Regarde, je vais essayer un, mais si je m'approche trop de lui comme ça, là il fait sa danse d'impressionnement, tu vois, de Conor McGregor et tout. Mais ce truc là, c'est putain de dangereux, tu vois, genre. Et le pire, c'est que c'est vachement fourbe. Ça attend que t'aies le dos tourné pour te courir après et te mettre des énormes coups de patte. Enfin, je sais pas si tu vois là, mais ses griffes elles font ça, tu vois. Et ce machin là, ça te tue un homme en un coup. Et pareil, tu veux faire la course contre ce truc là, ça va à 70 km/h. Le pire, c'est que c'est pas du tout comme un taureau, c'est à dire que si t'essayes de l'esquiver, tu vois, ça, vu que ça court, ça a deux pattes, ça peut faire vraiment des virages de ouf. Donc tu peux pas le semer, quoi. Ce machin, la seule méthode pour l'avoir, c'est de lui shooter dans le cou, tu vois. Ouais, et c'est tout, quoi. Et tu te ramènes avec un bâton, tu lui shootes dans le cou et tu lui montres que maintenant c'est ton territoire. Et il va attendre la moindre occasion pour reprendre son territoire. Mais bon, voilà, quoi. Ce bordel, c'est méga dangereux. Les autruches, faut pas déconner, tu vois. Là-bas, il y a sa femme, là. En fait, des fois, j'ai l'impression de devenir fou quand je leur donne à manger, les animaux, tu sais, parce que, en fait, je leur parle, tu vois. Je leur parle et je les... Je sais pas comment dire, je leur parle, je leur dis, ouais, aujourd'hui le pain il est frais et tout, il vient tout juste du four et tout. Enfin, tu sais, genre, je leur parle vraiment comme si c'était des humains et je sais pas, moi ça me fait du bien. J'ai l'impression que tu peux parler à quelqu'un qui s'en tape de tout ce que tu lui dis, tu peux lui dire tout ce que tu veux, il va pas réagir, il est content tant que tu lui donnes à bouffer. Et j'ai l'impression d'être fou, tu sais, des fois.
Peut-être que des fois je devrais arrêter de dormir dans une maison et venir dormir là-dedans, tu vois. Peut-être ça m'irait mieux, tu sais. Ah, ça peut être sympa, hein. Tu vois, j'ai pas pu trop te le montrer hier, mais en fait là je fais de l'irrigation. Je m'assure que toutes les plantes sont bien alimentées. Et du coup tu dois jouer un petit peu avec les fils et tout. Tiens là tu vois, il n'y a pas d'eau qui sort typiquement. Donc hop, ce que tu fais dans ce cas là c'est que tu vires celui là En fait l'eau elle sortait pas parce qu'il était trop long, tu vois. Donc là ce qu'on va faire, c'est qu'on va le raccourcir un petit peu. Hop. Ensuite faut que tu coupes, mais de façon biaisée, tu vois, pour que ça rentre un peu comme une aiguille. Alors attends. Hop, voilà. Et ensuite tu le réinsères. Hop. Ah, c'est qu'il est bouché de ce côté en fait. Voilà. Voilà, ça sort bien. Tiens, mais tant qu'on est là, je vais te faire un petit peu de commentaires. Alors tu vois, ça c'est vraiment celui avec lequel j'avais du mal. Tu sais, c'est le truc en trois étapes là, où tu fais 1, 2 et boum, tu te lances. Et en fait, j'ai remarqué une chose, c'est que sur le trampoline, j'avais du mal à le faire parce que j'essayais de le sauter en fait. J'essayais de faire 1, 2... et poum. Et si tu essayes de le faire sur le trampoline, le mieux en fait, je me suis rendu compte, c'était de vraiment le marcher en fait, de faire 1, 2, de le courir limite. Je vais vous montrer ce que ça fait. Si tu fais trop ça, ça décale tes temps. Ça fait 1, 2, et après, enfin c'est pas mal, mais c'est pas ça qu'on cherche en fait. Là ça fait trop backflip. 1, 2 et boum. Et là c'est mieux, tu vois. On recommence. 1, boum. Ah, c'est pas mal là. En fait, le cheat gainer, il faut que ça arrive vachement plus que sur le côté, tu vois. Parce que tu peux tout à fait faire ça. 1, 2, 3. Là, ça te fait un joli backflip et tout, mais c'est pas ce qu'on cherche, tu vois. Attends, ça enregistre là. C'est pas ça qu'on cherche. Nous, ce qu'on cherche, c'est vraiment faire le cheat gainer les trois quarts sur le côté arrière gauche, tu vois. C'est du charabia, mais. Donc, 1, 2, bam. Ah, c'est pas mal. Donc c'est vraiment un L, tu vois. Ça fait vraiment la barre du L, le pied du L, et boum, le reste part en avant comme ça. 1, 2, boum. Pas mal. Après, enfin moi je te dis tout ça là, je suis une merde. Hein. Alors, voilà quoi. Allez hop. Donc là, pas de rebond. On se prépare. Pas d'élan. Juste un seul saut. Et on ramène vite les jambes vers, enfin les genoux vers le torse. Et il suffit juste de s'engager à le faire, quoi. De commit. Allez, 1, 2, 3. Boum. Pas mal. Super, je viens de me moucher sur ma pompe. Allez, encore quelques-uns et je me sens chaud pour le tester sur l'herbe. 1, 2, 3.